Jeter son mégot de cigarette dans un avaloir, un geste néfaste pour l'environnement. Car on ne le sait pas toujours, mais c'est dans la Garonne qu'il se retrouve, comme les 2500 millions jetés à Bordeaux chaque année. Le mégot de cigarette, c'est un petit déchet qui fait de gros dégâts. À lui seul, un mégot pollue 500 litres d'eau et met plus de 12 ans à se dégrader. Les eaux de pluie l'emmènent vers les égouts et le rejettent directement dans la Garonne via le réseau souterrain des canalisations. Alors, pour mettre en lumière les avaloirs et les bouches d'égouts, un artiste a eu pour mission de peindre ces objets urbains. Le défi de cette opération, c'était de trouver une peinture qui accroche et qui soit respectueuse de l'environnement. Je pense que le travail artistique est un travail politique et que le travail politique passe par autre chose que des slogans, en fait, et plus par des actions. En tous les cas, c'est assez explicite. Ça amène les passants à s'interroger sur la circulation des eaux dans la rue et sur ces objets qu'on ne voit pas. Et je pense que tout ce qui touche aux canalisations, aux égouts, aux déchets. Ça fait partie de cet inconscient collectif. Objectif, sensibiliser les métropolitains à ne plus jeter leurs cigarettes par terre via cette campagne qui s'intitule « La Garonne commence ici ».